Salut tout le monde, bienvenue sur Stick de Geek. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un nouvel invité, Aurélien. Salut tout le monde. Comment vas-tu? Très très bien. Très bien. Ouais. Donc Aurélien, toi tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Le Café du Rétro. Exactement. C'est ça. Exactement. Tu peux nous dire en quoi ça consiste ta chaîne? On a une petite chaîne YouTube, voilà, indépendante. Je fais ça avec deux autres membres qui n'est rien d'autre que mon père et mon frère. Et on fait des vidéos autour du gaming, où on présente aussi des vieilles consoles, où on est. Voilà, on s'amuse aussi un petit peu à faire des petites vidéos style années 80. Enfin voilà, on est dans un délire très très vintage, très rétro. Donc écoutez. D'accord. Voilà, à peu près ce que je fais. Donc tu parles de jeux donc rétro, un peu de current gen aussi. Je fais aussi un peu next gen bien sûr. On est un petit peu basé je pense sur le gaming en règle générale. On a un petit plaisir à toujours être dans l'année, dans les années 80-90 parce que c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. D'accord. Et je pense que voilà, on essaye de le montrer à travers nos vidéos et puis ouais, on présente des petits jeux à côté et en gardant cette espèce de signature assez sympa des années 80-90. D'accord. Et okay. Voilà. Donc il y a une bonne ambiance sur ta chaîne, c'est convivial. C'est ça, c'est la, sans, la bonne sans prise ambiance de tête. À la chaîne, voilà, sans prise de tête, on est là pour jouer, pour découvrir, pour apprendre des choses. D'accord. Et je pense que c'est aussi ce que tu fais de ton côté, ouais, découvrir de nouvelles choses, de nouveaux jeux, de nouveaux horizons, enfin plein de possibilités super sympas et je pense que ouais, le gaming c'est une belle ouverture. Ouais, c'est clair. Donc du coup, je t'ai invité pour qu'on fasse une petite partie d'un jeu PS2. Ouais. Pas n'importe quel. C'est un Smash Bros. Like. Ouais. Qui s'appelle Onimusha Blade Warriors. C'est une voilà. Série Onimusha, je pense que. Onimusha, tu connais, ouais. Ouais, je connais, bien sûr. Donc, Onimusha, donc Blade Warriors qui se situe entre l'épisode 2 et 3. Ouais. Donc, du coup, c'est tous les combattants, tous les personnages des deux premiers épisodes qui sont réunis pour se mettre des tatanes dans la gueule. Et du coup, ça peut être sympa à deux. Je ça me suis dit pourquoi pas inviter Aurel du Café du Rétro pour faire une partie. Bah, et qu'on teste ça, parce que du coup, je vais le découvrir avec toi. J'y ai joué un petit peu, mais je connais. Tu vas découvrir en tant que moi. Quoi. Donc voilà, ça peut être sympa. Quoi. Ouais, d'accord. Bah, donc ça te branche, ouais. Ouais, bah, ça me branche. Hein. Ok, bon, bah c'est parti. A tout de suite. On y va. During the period that civil wars ran throughout the land, it had been said that the battle between warriors with the power of the Oni and the wild demons who opposed them had ended. However... Donc bah là, apparemment il y a une petite trame scénaristique quand même, histoire de poser un peu le jeu quand même. Là c'est pas trop étonnant, j'ai envie de c'est pas non plus un scénario étoffé, mais bon, voilà quoi. J'essaie de suivre, voilà, parce qu'on s'est mis un truc mais bon, c'est ça. Plutôt sympathique en première vue. Ouais. Donc voilà, donc Onimusha Blade Warriors c'est donc un jeu à la Smash Bros Melee ou à Smash Bros Live plutôt. On se retrouve donc dans les différentes maps du jeu. On pourra récolter des bonus en ouvrant des coffres. Donc on aura aussi donc des bonus et des malus. Il y a aussi des malus. Ah, il y a aussi des malus. Ouais, d'accord. Et après, bah, je vais découvrir avec vous parce que j'ai vraiment très peu joué au jeu. Donc je vais découvrir avec toi, Ryan. Ouais, c'est ça. Bah. Ça va être intéressant. Donc voilà, on retrouve les protagonistes et les ennemis des deux premiers épisodes. Voilà le Nobunaga Oda. On retrouve aussi les Zirs. Et puis voilà, les fameux enchaînements qu'il y a dans les épisodes classiques. Quoi. Voilà. On va peut-être baisser un petit peu le son par contre, c'est peut-être un peu fort. Parce que là il y en a les oreilles qui saignent. Ouais. On va mettre à 30. Voilà. Qu'on puisse nous entendre. Quelle intro. Ouais, ça met dans le bain quand même. Ouais, c'est ça. Hein ? Voilà. Onimusha Blade Warriors. Je sais pas si ils en ont sorti un deuxième après l'épisode 3, je crois pas. Non.
Donc du coup, en fait, Onimusha est constitué de 4 épisodes canoniques. Donc le 1, le 2, le 3 et le 4, entre guillemets, qui s'appelle Dawn of Dreams. Et ce spin-off, Onimusha Blade Warriors, voilà, qui est situé entre le 2e et le 3e épisode. Donc, il y a un mode histoire, un mode versus, un mode custom versus, un entraînement, option bonus. Bah on va se faire un mode versus. Déjà, hein. On va, ouais, pour avoir. De 1 à 4 joueurs. C'est... Bon, ça va, on est deux. Je pense que c'est bon. Donc, ça, c'est pas mal, c'est quand même donc, possible de jouer choisir, jusqu'à 4. Voilà. Là, tu peux faire les modes combat en équipe, comme dans Smash. Apparemment, c'est... ouais. Ouais, c'est vraiment, ouais, ça reprend un peu la même idée. Donc, les mode, conditions mode solo ou équipe. Âme ou vie. Durée de combat minimum 4 minutes. Ouais, je pense. 3 minutes, c'est bien, histoire qu'on varie, qu'on ouais, puisse voir un peu tous les persos. Ouais. Condition de victoire, âme ou vie. Bah, apparemment, c'est âme là. Mmh. Nombre d'âme 3. On va voir déjà ce que ça donne tout ça. Coffre objet normal. Ok, bon, bah, on est parti. Je pense que c'est bon. Alors, donc au début, il y a 3, 4, 5, 12 personnages débloqués. Et apparemment, il y en a quand même quelques-uns d'eau. À mon avis, avec le mode histoire, voilà. Tu dois débloquer. Pouvoir débloquer une douzaine. Je pense qu'on a les principaux, on va dire. C'est ça. Donc là, on voit, il y a Samuel Ozoki Akechi, il y a Jubei Yagyu du 2. Là, ça, c'est les boss. Donc bah moi je pense que je vais prendre le perso principal du 1. Hein. Je vais prendre Samuel Ozoki. Ben, ça c'est une perso du 2 ça. Ouais. Ça c'est le perso du 2, ça c'est le personnage principal du 2. Rappel c'est du 2. Ok. Bon. Tiens Mickey, il est allez, c'est parti, combattez. Ah oui voilà. Donc voilà. Et donc là, protection. Protection L1. R1 c'est pour se mettre en posture d'attaque. Rond c'est pour aspirer les âmes. Croix c'est pour sauter. Carré pour taper. Triangle c'est le coup de pied. Donc voilà, bah là toi t'as débloqué plusieurs armes. Ah merde. Ah il stick, ça fait comme un smash. Donc là du coup. Ouh putain tu m'as fait mal. Regarde la barre. Ok, donc là, ah, je suis mort. Bien joué. Voilà. Donc là, n'hésite pas à aspirer. Ah oui, c'est bon, quoi, ouais, c'est ça. Voilà. Bien joué, donc tu peux passer derrière aussi l'ennemi. Ouais, c'est des petites parades. Tu fais deux fois avant, tu fais un dash en fait en gros. Ça c'est des petites parades en fait. Ouais. Oh bien joué. Oh bien joué. Hop, j'aspire. Boum. Alors là tu vois j'ai attaqué au moment où t'as attaqué. J'ai appuyé au bon moment, j'ai fait une contre-attaque en gros. Donc là, t'as perdu ton arme apparemment là, donc là t'es sans arme, tu peux perdre des armes aussi. Apparemment. Non ? Je sais pas, attends. Ouais, c'est ma deuxième épée, alors attends. Attends. Esquive. Ouais, c'est bon. Bien joué. Donc là je t'ai repoussé. Là je sais pas ce que j'ai au pied là, mais j'ai l'impression d'avoir un... Bien là, c'est joué beau, ça. Magnifique. Contre-attaque. Magnifique. Bien joué là, toi tu l'as fait. Ouais. Là j'ai très mal. Bien joué. Donc là tu peux récupérer tout. Les armes, voilà. Ah ça va être chaud chaud hein. Ça joue au nombre de morts oui. En fait, tu vois. C'est ça. Voilà, toi hop j'ai contré et j'ai tout de suite attaqué après. Ouais.
tu peux faire quand même des combos, j'ai l'impression. Ah oui, oui, le but c'est de faire plus de combos. Ah, temps écoulé. Bon bah, bien joué. Bataille terminée. Alors, qui est le gagnant là? J'entends celui-là, c'est le capuche de vie. Ah, ouais, c'est ça. Mais très joli, très joli. Non, au nombre de morts surtout, c'est surtout bah, ça. Bah, en fait, on était à 2-2. On était à deux morts chacun. Deux je morts crois, chacun, et du coup, voilà. Ah, et d'ailleurs, on peut voir d'ailleurs justement le nombre de points. Ah, et ça. Comme il te restait un peu plus de vie, je pense. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter des ennemis pour que ça soit encore plus fun. Donc, on peut rajouter un bonhomme. Je pense, ouais. Bah alors faut regarder tu comment on là fait. Tu fais ça, je pense. Alors attends, je pense qu'il faut qu'on... CPU, voilà. CPU, tu choisis ton CPU. Par exemple, on va pas mettre style Yoshimitsu là. Tac. On peut le mettre lui par exemple. Comment on fait ça c'est niveau de difficulté. Merde. Comment on fait pour changer le personnage? Ah oui d'accord, c'est que t'as... Ok, t'as pas t'as mis la meuf, t'as mis la fille. Ah c'est moi qui l'ai mis. Bah je pense. Attends. Ah non c'est bon. Ah oui, là, faut que tu le maintiennes. Voilà. D'accord, donc faut que tu prennes en fait là, ta partie. Là tu choisis ton perso toi. D'accord, bah écoute, je vais en tester... Ok. Donc là on a un nouveau... Donc là il y a un ennemi en plus, donc ça va dynamiser un peu comme s'il y avait un troisième joueur, mais sauf que là c'est l'ordi. On va choisir quel niveau on va choisir. Il me paraît pas mal celui-ci. Tout le château, sinon fais là. T'as la vallée. Testons un petit temple ou un petit. Ouais. Lequel? Celui-ci? Celui-ci? Alors ouais, celui-ci. Château abandonné, tiens, ouais, c'est parti. Bon, quel ressenti alors sur le jeu? Qu'est-ce que t'en penses à première vue? À première vue, c'est en effet un Smash-like. Il y a bien les fameux caractéristiques des terrains, il y a bien chacun des personnages ont leur combo. Non, c'est assez intéressant. Après, c'est... C'est un peu moins enfantin. Ah, un univers oui. Beaucoup moins enfantin. Ah bah oui. Donc là, c'est chacun pour soi. Voilà. Ouh. Donc là je l'ai mis en niveau 2 le mec. Ouais j'étais entouré là. Pas de même. Putain je l'ai fait pas oh, ton arme. Joli ouais. Ça. Ah putain par contre il va se faire mieux les âges. Oula oh oula oh oula, oh ça fait du cul là. Faut que je m'écarte. Ouais. Ouais. Voilà, on peut remonter, on peut descendre, on peut aller à l'étage, récupérer les bonus. Voilà, boum. Là je l'ai tué une fois déjà. Je peux récupérer son arme ou quoi là? Perdu son arme. Voilà, boum. Est-ce que tu connais donc la saga Onimusha? Est-ce que tu as fait plusieurs épisodes? J'ai fait, je crois, l'épisode 1 de mémoire. J'ai dû... Alors, l'épisode 2, j'ai dû vite fait y jouer, mais je sens plus, je pense. C'est l'épisode 3 qui m'est assez intéressé, puisqu'il y avait un très bon acteur français à nous. Ouais. Il était dedans, et oui, hein. Le fameux Jean Reno. Jean Reno. Excellent acteur d'ailleurs dans le jeu. Et là, c'était, ça m'a assez surpris. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que bah, y avait quand même sa VF, sa version. Oui, c'est vraiment lui qui. Voilà. Ça aurait été un peu décevant si c'était quelqu'un d'autre qui le doublait, moi, c'est ce que je m'étais dit. Donc là, je suis mort une fois là. Mais donc oui, t'as fait quelques épisodes du coup. Oui, voilà, mais après, je crois qu'il fait vraiment l'épisode 1, je pense, à fond. Ouais. Après, réellement, les... tous... Tu les ouais, ouais, voilà, c'est ça. Putain, là, tu les as fait mal. Hein. Vache. Oh. Alors, je pense que moi, sur la chaîne, je ferais peut-être une rétrospective ouais, je pense que ça peut être de la saga. Tu vas parler des 4 épisodes. Ça peut être sympa. Ça me trotte dans la tête depuis quelques c'est temps. C'est vrai que là, je fais moins de jeux PS2 ces derniers temps. Ou... Je pense que là, je... Ouais, je m'en remets là, tu vois, moi je m'en remets. Gentiment, mais ouais. Mais. Merde, je descends. Oula, là je me trouve au milieu, c'est pas bon. Oula. Oh, tu m'as eu avec l'étoile. Oh, le truc de fou, quoi. Ah.
suis mort une fois de plus. Ah, juste avant le temps écoulé en plus. Bon, moi j'ai. Là, c'est sûr, j'ai pas gagné. Ah, bien joué! Bien joué, Ray. Bien joué, bien joué. Ah, je suis mort 2 ou 3 fois là, sur cette partie. Ah, il était dur en fait, quand il y a un troisième joueur, ce qui est chiant, c'est quand tu te retrouves au milieu. Ouais, ah bah là t'es pris en. C'est merdique, ouais, c'est ça. C'est pour ça que t'es obligé de te décaler rapidement. Ouais, après, c'est ça, t'es obligé de. Voilà. Donc, moi je finis deuxième, tu vois, je suis. Bon. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est 2400 pas mal. Points. Cette top était assez intéressante. Je pense que si on faisait peut-être un niveau sur le toit ou autre, faut voir. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un bonhomme ou. Est-ce que tu veux tester à 4 sur une map? Vas-y, ça va être l'anarchie, hein, mais ça peut être sympa. Je pense que ça peut être marrant. Là, on va le mettre plus fort en niveau 3. Hein. D'accord. Parce que l'autre il est en niveau 2. On va mettre qui comme ennemi? Ça c'est moi ça. Je garde Samuel Zoki. Et on, puis, reste aussi, on va mettre. Voilà. Ok. On est parti. On va prendre. Vas-y, choisir. Dans la forêt là. Comme tu veux. Si dans la forêt, la forêt de bambou. Ouais. Ça peut être sympa. Dans un coin paisible. Se friter dans un coin paisible. C'est ça. Hein, c'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est ça. Aïe aïe aïe, allons-y. Alors franchement, surpris du jeu. Je le trouve vraiment très très sympa. Ça se joue tout seul, je trouve. Ouais, ça se joue tout seul, franchement, il y a pas. C'est pas très difficile hein, en soi. Hein. Je le trouve assez joli, mais assez. Il est aussi beau que les épisodes canoniques, je trouve. Ouais. Graphiquement. Ah, on fait tomber les bambous, ouais, intéressant. Il y a de l'interactivité quoi. Ouais, ça c'est bien. Faut respirer les gars. Hein. Voilà, voilà, voilà. J'ai mes caractères. C'est bien, je récolte toutes les orbes, et les autres ils se fritent. Les autres ils se fritent, l'autre qui attend derrière. C'est ça. Ouais, putain. Pour vous. Ouais, c'est chiant. On les taille en deux là. M'envoyer des trucs. Hein. Ah, je suis d'accord. Oula, j'ai morflé. J'ai morflé. Ah, enfoiré. Oh, bien joué. Ah, j'ai douillé là. Bien joué. Ah, j'ai une carte. Oh, j'ai un fusil. Oh là. Boum, je l'ai dégommé. Oh, oh non, l'autre il prend toutes mes armes. Il prend toutes mes armes, je suis dégoûté. Et puis je suis mort en plus. Oh, oh là 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 là. Oh là, je suis entouré là, je suis derrière. Ah là 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 là, la vache! Ah, là, je fait pas la gueule! Ça, ouais. On s'est fait pas la gueule! Ouh. Oh là aussi, ça fait mal! Ah, par contre, il a. On s'est fait pas la gueule! Ah là là, je sors mon combo. Voilà, ça fait mal. Ça fait plaisir. Oh, je suis mort encore une fois. Bon bah j'ai pas gagné là. Magnifique. Incroyable. J'ai eu les 3 sphères pour une fois. Je suis content. J'ai eu les 3 sphères. Je suis content. Mort, je suis refait. Coup, je crois. Faut voir. Total victoire. Âme de victoire 3. Donc j'ai tué une personne, moi, apparemment. Une victoire, moi, deux victoires. Deux, donc je pense que ça a dû... Voilà. Ah, bon. Je finis dernier, moi, de la partie. Bah, c'était une belle surprise. Bah, catastrophique. Bon, on s'en fait une petite. Une petite dernière, ouais, allez. Une petite dernière. Pour se donner le fil à retordre, est-ce que tu ferais pas augmenter
l'autre, ouais. Au niveau 3. Au niveau 3, pour voir ce que ça peut donner. Ok, et par contre, on va... Je vais peut-être changer... Ouais, change peut-être de perso, pour qu'on voit les autres. Ici, ouais. Ça peut être intéressant. Zombie. Et puis, lui, on va mettre... celui-ci. C'est parti. Et puis, on va jouer... Un stage coloré. Un stage plus coloré. Hein. Bah on peut faire si tu veux un stage coloré. Alors. Lui il a l'air sympa. Ouais, la pagode. Ouais. Allez. Allons-y. Bah, j'espère que la vidéo vous plaît. Ouais, c'est vraiment. C'est un nouveau format hein, comme petit ça. Format. Sans prétention, hein, hein ça, on un petit gameplay versus. En plus, on découvre comme vous. Hein, un petit gameplay versus, ouais, voilà, on découvre vraiment comme vous le jeu. Mais bon, il est quand même pas mal. Après, je sais pas ce que ça vaut au niveau histoire, mode scénario, mais... Oh la vache. A 4 ça doit être sympa à 4 en fait. Ah oui, à 4 je pense à plusieurs. Peut-être une vidéo plus tard, qui sait. Ah pourquoi pas. Ouah, c'est beau ce que j'ai fait là. Fah. Ah je suis déjà mort. Enfoiré. Ah il m'a cut là. Là, on peut descendre. Putain, on peut se battre sur les bateaux, quoi, carrément. Quoi. Ah ouais, jamais. Ah, oh c'est là, pas là, je vous ai tous oh coupé. La vache. Ah bah, partie terminée, quoi. J'ai tué tout le monde d'un coup. Non. Ah, il a gagné. Il a ramassé plus d'âmes. Mais je l'ai vu, ce personnage. J'ai buté. C'est moi qui ai tué tout le monde et c'est lui qui a aspiré les âmes. Ça. Mais il y a des personnages comme ça. Si on... En fait, le but, là, c'est pas le nombre de vies. En fait, c'est pas le nombre de c'est l'âme. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez être un enfoiré, ne pas attaquer, laisser les autres s'entretuer et puis ramasser les âmes. Exactement. T'as tout compris. C'est exactement ah, ça. Ah, c'est pas mal. Donc, c'est en fait, un joli c'est jeu. Pour ça non, c'est pour ça qu'il demande de choisir les âmes ou les morts. Donc, on a dit, bah, les âmes, ça doit être. Mais non, ça n'a rien à voir. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir les trois sphères. Une fois que t'as les trois sphères, voilà. T'as gagné quoi. C'est ça. Donc ça c'est. Ok. Donc les combats à 4 doivent quand même être chaud. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ça doit quand même être chaud. Mais donc ça c'est bien qu'ils puissent te laisser choisir entre les âmes ou les âmes de mort. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est cool. Bon, j'étais un peu à la ramasse celui-ci. Bon, on va en sortir un vite fait parce que du coup c'est très court. Très rapide pour une fois. Ouais. Allez, on sort un les mêmes. Une autre map peut-être. Allez, une autre map. Pour découvrir. Allez, un dernier. Tiens, t'avais le toit en bas là. Le toit. Tout en bas. Tout en bas. Là, de l'autre côté. Celui-ci. Ouais, je suis ici. Le château là. La lune derrière. Je pense que ça peut être très sympa. Non, les décors, tu sais, ils reprennent bien les d'ailleurs les décors qu'on a dans les jeux à la base. Donc, c'est plutôt fidèle. Hein. Si, c'est fidèle. Sympa les caméras, les mouvements de cam. Par contre, il faut pas que je reste là. Moi. Toi aussi t'as fait la main. Aïe. Ah. Il m'a mis la main. Je t'ai sorti deux fois. Oh, c'est beau ça. C'est foudre. Le fusil. Le fusil. Boum boum boum. Oh non, je suis mort. Non. Du coup, c'est qui qui aspire. C'est qui va aspirer mon âme. Oh là là là. Incroyable. Ah ouais. Incroyable, les amis. Bon, on va se décaler. Bon. Laissez mon âme, je mets mon âme, dégage-toi. Oh, mais par contre, je suis en train de me voler, ils sont en train de me défoncer. Oui, ils sont chauds en vrai. Hein. Niveau 4, on n'a pas encore testé. On testera peut-être, je pense, une prochaine fois. Mais... Il m'a démonté. Oh là 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 là. Oh. Il est fort hein le 3 là. Il est fort, parce qu'en fait il a une putain d'allonge et c'est merveilleux pour l'approcher. Ouais. Oh. T'as volé mon âme. Ah, tiens à moi celle-ci. Hein. Je perds la life. Ah. Au moins j'en ai une. Oh là là.
peut se retrouver le côté du toit là. Voilà. Ah non! Boum, Fury! Oh! Boum! Oh là là! Hey, c'est magnifique ce qu'on fait. C'est pas bon ça. Ah! Oh, t'as gagné! Bien joué! Incroyable! Bon, le mode vie, ça doit être différent. Si vous voulez vraiment plus faire vraiment le jeu de combat d'habitude, faut partir sur un mode vie. Mais le mode âme, c'est sympa si. Ouais. Voilà, ouais, parce non, que cool. Le combat est tellement rééquilibré. C'est quand même intense hein, les combats, je trouve. Hein ouais, ça envoie. Hein. C'est à base d'esquive, attaque, contre-attaque. Et toi, tu as réussi à faire plus de combos que moi. Enfin, je veux dire, au niveau. Tu sais sortir tes coups spéciaux, mais j'ai du mal, tu vois, encore. Ouais. Pour sortir mon moment. Alors, par contre, je crois que c'est triangle rond en même temps ou triangle carré en même temps, plus R1. Et en fait, faut que tu remplisses ta barre de magie qui est en dessous, en fait, ta barre de vie. Ouais. Ah oui, et au maximum. Il faut que tu récoltes aussi une orbe, voilà, une orbe, soit bleu, vert ou rouge. Et chaque couleur correspond à la chose. Magie. Donc t'as, ouais. T'as la glace, la foudre et puis le feu, je crois. D'accord. Donc voilà. Les éléments, quoi. Bon, bah, on va s'arrêter là. Je fais une petite conclusion. C'est une petite conclusion sur ce petit jeu. Ouais, ça marche. Sûr. Allez, à tout de suite. Bon, conclusion. T'en penses quoi, alors, Aurel, de ce jeu? Assez surprenant. Assez surprenant, enfin, je m'attendais pas à un jeu comme ça, finalement on est rentré tout de suite dedans. Ouais. Souvent dans les jeux on a un peu de recul, on est en mode bah ça prend du temps avant de... Mais non là tout de suite, c'est ouais, du fun direct quoi. C'est clair. La maniabilité est instinctive. Ouais, ça réagit bien, souvent ce qu'on a peur dans les jeux de combat qui copient tes jeux de combat CC, c'est que la maniabilité est pas là, on n'a pas les... Mais non, là, tout de suite, ça agit bien. Et du coup, on retrouve les touches des épisodes canoniques. C'est exactement ça, la même probabilité. C'est la même c'est pareil, sauf que c'est un jeu de combat, quoi. Voilà. C'est tout pareil. Mm. Et non, je suis vraiment assez surpris. Franchement, je m'attendais pas à quelque chose. Ouais, j'ai le même ressenti que toi. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même de la profondeur dans le jeu. Ouais. Donc, on peut donc récolter donc, des bonus, des maus au cours des combats. On peut changer de plan aussi, il y a plusieurs plans, apparemment jusqu'à 3 ou 4 des en fois. En fonction des maps, voilà. On a vu par exemple là sur la map de Mambo pour faire tomber sur la. Ça peut être. Franchement, moi ça m'a. Ouais. Il y a pas mal de choses à faire en fait, il y a pas mal de choses à découvrir dans le jeu. Mm. Et je pense que si tu fais le mode histoire, je pense que tu pourras débloquer des choses assez intéressantes. Ouais. Parce qu'on n'a pas encore tout vu. Mais... Après, on n'a pas regardé au niveau du scénario, on sait pas trop ce que ça donne, mais. Mais ça peut être pas mal, je pense. Non, je pense, ouais. Alors, vraiment, sans péter des briques au niveau du scénar, s'ils ont mis ce mode-là, c'est qu'à mon avis, il y a quand même... Évidemment, voilà, c'est de la qualité PS2, faut pas s'attendre non plus un truc, voilà. Ouais, ouais. Mais la jouabilité, le gameplay, était très bon. Ouais. Enfin, ouais. Tout de suite, t'es rentré dedans, il n'y avait pas de prise... Et puis, si en plus, si vous connaissez l'histoire, les personnages... L'univers est très bien respecté. Ouais, c'est très fidèle, en fait, à la saga. Et niveau des graphismes aussi, pas de graphique, j'ai trouvé ça aussi. C'est le graphisme PS2, c'est le graphisme d'Eoni, ils ont pris le même moteur, je pense. Ils sont pas fait chier, je pense que c'est. Voilà. Hein. Et puis, c'est une très belle découverte. Non, très jolie. Franchement, j'étais étonné, toi, je pensais que ça allait être un peu plus mou et puis. Vraiment quelconque. Ouais, ce fameux jeu qui sort, on ne sait où, qui. Mais en fin de compte, c'est quand même une bonne surprise. Voilà, ils ont vraiment gardé la patte Oni, ils ont rajouté à ça le combat En versus. En versus, c'est. Franchement, ça marche. Ça marche. C'est accrocheur. Et puis à 4 joueurs, ça doit être vachement. Ah ouais, franchement, à 4 joueurs, ça doit être super cool quand même. Ça, c'est. Ouais. Je pense en live, ça doit être très sympa à faire. Je pense. Il y a moyen de taper des barres. Ouais, je pense. Il y a eu des moments où on était en mode. Voilà. Le système, comment dire, pour gagner. Pour aspirer les âmes, il y a un système aussi de vie si vous préférez les versus plus classique. Mais le système des âmes, c'est intéressant parce que même si vous êtes très très bon, ça fait de super combos, c'est peut-être pas vous qui pouvez gagner. Ouais. Ça rééquilibre en fait la balance de celui-là qui est super fort le combat à celui-là qui débute mais qui peut Donc en fait, ce jeu est accessible pour tout le monde. Exactement. Ça veut dire même si vous êtes pas très bon en jeu de combat comme moi, vous pouvez y jouer. C'est vrai. C'est ça. Et c'est franchement. J'étais surpris, je m'attendais pas que tout de suite je serais rentré dans le jeu, parce que souvent, voilà, et là, non vraiment, belle surprise. Donc les copains, Onimusha Blade Warriors, une belle pioche, une bonne pioche,
un jeu qu'on vous recommande. Hein. Exactement, on vous recommande. Si vous avez la chance de le trouver, je pense que voilà. Après, ça, ça coûte pas cher. Hein. Non, les Oli, c'est pas encore une série. Même si lui, il est moins commun que les autres, ça, tu peux l'avoir à 20, 25 euros. Allez, 30 euros, grand max. Grand max, c'est ouais, grand max. Encore, ouais. C'est, je pense donc, que voilà. Dans des caches. Je suis en bon état. Perdu, ouais. Donc voilà quoi, bah hein, merci pour ta participation, ouais, c'est cool hein, pour une première. Plaisir, au plaisir. Peut-être bah, que tu m'inviteras sur ta chaîne, qui sait. qui sait dans une prochaine vidéo. Ouais. Non mais bien sûr, avec grand plaisir, ça et sera puis, avec grand plaisir. Puis bah voilà, j'ai passé un bon moment sur ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à commenter sous la vidéo. Pour savoir vos ressentis, si vous connaissez le jeu, si vous l'avez dans la collection. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, sautez sur votre stick de geek. Ciao. Ciao.